De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Touré Bangali, journaliste, et de nos éditorialistes Jean-Marie Pitoumou et Gemma Taleb. Tout de suite au dossier du jour. Plusieurs chefs d'État africains continuent de servir le continent après avoir quitté le pouvoir. Parmi eux figure l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. L'homme d'État intervient notamment dans la prévention et la résolution des crises politiques sur le continent. Guévanido. De son indépendance en 1960 à nos jours, le Nigeria a connu plusieurs présidents. Du général Iransi Amotala Mohamed, en passant par Sani Abacha, ou encore feu Umaru Yar'Adua, ils se sont succédés l'un après l'autre, parfois par des coups d'État. Mais l'un d'eux retient particulièrement l'attention pour son rôle joué aussi bien sur la scène nationale qu'internationale. Olusegun Obasanjo, première fois chef de l'État de 1976 à 1979 au sein du gouvernement militaire fédéral, l'homme est réélu pour deux mandats consécutifs de 1999 à 2007. Mais qui est Olusegun Obasanjo? Que devient-il après des années passées à la tête de son pays? La question intéresse et permet de faire la lumière sur la vie de l'homme après le pouvoir. Lors d'une tentative de coup d'État qui a coûté la vie à feu le président Murtala Mohamed le 13 février 1976, Olusegun Obasanjo, alors chef des armées, s'empare du pouvoir. Rapidement, il organise la transition démocratique, fait adopter une nouvelle constitution et devient le premier dirigeant du pays à abandonner volontairement le pouvoir aux civils. Un pouvoir qu'il réincarne en 1997 après sa reconversion à la vie civile. Among us in Africa, nous devons apprendre la bonne leçon en Afrique. Les pays africains doivent savoir que la longévité au pouvoir est l'un des problèmes qui mine le développement du continent. Ceux qui veulent véritablement le développement de leur pays doivent pouvoir éviter cela et ne pas commettre la même erreur que le Nigeria. Le président Obasanjo bénéficie de deux nouveaux mandats, 1999-2007. Un nouveau passage qui a permis à cet ancien militaire originaire de la ville d'Abeokuta de redresser son pays. Réformes politiques, économiques, promotion des valeurs démocratiques sont entre autres des efforts fournis par le président Obasanjo pour hisser le Nigeria sur la voie du développement. Personne n'est destiné à la longévité au pouvoir. Celui qui s'obstine à s'y accrocher n'est tout simplement pas sage. Un leader vient, il fait ce qu'il peut faire et cède le pouvoir à quelqu'un d'autre qui viendra faire aussi mieux. Cela doit être une chaîne. En posture de leader, le président Obasanjo ne s'est pas limité au développement de son pays. Il a joué un rôle important aux côtés de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki pour la régénération et le repositionnement de l'Union africaine. Des faits marquants qui lui garantissent crédibilité et aura. Nous devons savoir que le président Obasanjo joue un rôle important pour le développement du continent. C'est un homme qui a du caractère. Il force le respect et il bénéficie toujours de cette aura et de cette crédibilité auprès de son peuple. En 2008, soit un an après avoir passé la main, l'ancien élève militaire de l'école d'officiers d'Aldershot au Royaume-Uni entame une nouvelle carrière. Il venait d'être nommé envoyé spécial de la région des Grands Lacs par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. En 2009, il devient observateur de l'Union africaine pour la présidentielle en Afrique du Sud. Un rôle influent qu'il assumera également dans d'autres pays, comme lors de la présidentielle au Togo en 2010 ou encore celle du Sénégal en 2012. Des missions assumées avec des objectifs précis, prévenir les conflits et promouvoir la paix et le dialogue sur le continent. Nous sommes là pour observer le déroulement du processus électoral, pas plus. Donc nous suivons de très près ce qui se passe et l'objectif est de prévenir des poches de tension. Même loin du pouvoir nigérien, le président Olusegun Obasanjo continue de participer à la vie politique de son pays. L'on se rappelle de ses récents tête-à-tête avec le président Goodluck Jonathan ou encore l'opposant Muhammadu Buhari en ce début d'année 2015. Des faits qui prouvent sa participation à la vie politique après le pouvoir et qui lui donnent l'opportunité de promouvoir la culture de la démocratie qui est selon lui un levier incontournable pour la renaissance africaine. Nous pouvons faire mieux que ce que nous faisons.
Nous faisons un mandat de 5 ans au pouvoir, ce qui fait 10 ans de mandat. C'est possible de faire 7 ans. Ainsi, nous laissons la place à une autre personne pour continuer nos œuvres. Nous travaillons à cela. Toujours à cheval pour des missions de prévention et de résolution des crises sur le continent, le président Olusegun Obasanjo a aujourd'hui sa propre fondation. Il s'agit de la fondation Olusegun Obasanjo basée au Royaume-Uni, avec pour mission de faire progresser la sécurité humaine en Afrique. Autant de cas d'école qui montrent une vie post-présidentielle riche et dense. Touré Bengali Olusegun Obasanjo estime que l'un des problèmes qui mine le continent, c'est la longévité au pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Vous savez, j'ai très bien suivi le reportage. Il faut comprendre que Olusegun Obasanjo, c'est bien de l'entendre aujourd'hui parler de tout ça. Mais qui suit l'actualité, qui suit l'évolution du Nigeria depuis toujours, peut vous dire que c'est un personnage assez controversé. Parce qu'en 2007, tout le monde se rappelle du combat que Obasanjo avait mené à l'époque pour se maintenir au pouvoir. On l'avait traité même de distribuer quelqu'un qui a le président qui aurait distribué plus d'argent à la classe politique nigériane. C'est vrai, dans la forme et sur le fond, il a raison. Mais il ne faut pas aujourd'hui que lui-même il se présente comme ce personnage qui peut donner des leçons. Et quelque chose qui n'a rien à voir, je regrette dans le reportage qu'on ne retrouve pas aussi sa participation dans la résolution de la crise au Nigeria. Parce qu'on dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Aujourd'hui, la crise que traverse l'Afrique, c'est cette histoire d'islamisme, de Boko Haram. Que fait Obasanjo? Et lui-même, au mois de décembre dernier, il a sorti son livre où il a été très critique vis-à-vis de l'autobiographie. Voilà, pourquoi sortir un livre, est-ce que ça va contribuer à la stabilité du pays? Tout ça, ce sont des points d'interrogation qui me restent un peu perplexes par rapport au personnage d'Obasanjo. Jean-Marie, vous êtes aussi perplexe par rapport à l'ancien président nigérian? Je ne serais pas perplexe, Fanny, parce que, bon, si vous voulez, le sujet qui nous intéresse a deux dimensions. Place sur la perspective historique. Et on se dit, vous voyez, bon, Obasanjo, il a fait comme les autres. Il a, comment dirais-je, essayé de se maintenir au pouvoir et tout ce qui s'ensuit. Notre sujet, c'est quoi? C'est l'après-présidence, si vous voulez. Quelles sont les occupations? Quelles sont les fonctions qu'on donne à ces individus dans la société? Quel est leur rôle? Donc moi, c'est ce côté-là que je veux juger personnellement. Donc je suis en accord avec ce qui a été dit concernant le reportage. Tout simplement pourquoi Obasanjo est pratiquement un personnage aujourd'hui en Afrique dans la mesure où on estime qu'il a une certaine sagesse. Et moi, je dirais même que l'histoire l'a servi parce qu'il est parti des militaires, il a fait un coup d'État et tout ce qui s'ensuit. Donc je veux dire que c'est quelqu'un que je classerais à peu près dans la même position que Kérékou au Bénin, d'accord ? Par rapport à ce qu'ils peuvent faire après l'exercice du pouvoir en tant que président de la République. Donc à ce niveau-là, c'est un personnage qui a contribué, si vous voulez, à apaiser énormément et à relancer même l'Union africaine, comme ça a été dit au niveau du reportage. Donc c'est ça qui m'intéresse, moi, personnellement. C'est-à-dire, on s'est toujours posé la question ici, là, la déstabilisation que nous avons dans nos États en Afrique est liée à quoi? Est liée au fait que les hommes politiques veulent se maintenir en place. Et quand on trouve des exemples où on essaie de faire avancer cette petite démocratie-là, à savoir qu'il y a un président qui part, qui reste dans son pays, il n'est pas chassé, il n'est pas pourchassé à l'extérieur. Donc moi, je trouve que le rôle qui est tenu par Obasanjo, on en a besoin. On n'est pas là pour juger toute la vie politique d'Obasanjo. Est-ce qu'il a été positif ou négatif? Moi, ça ne m'intéresse pas. Oui. Mais vous parlez de déstabilisation. Mais quelque part, est-ce que Obasanjo aussi n'a pas sa responsabilité dans la déstabilisation que connaît aujourd'hui le Nigeria? Parce que, vous savez, ceux qui connaissent très bien le Nigeria vous diront que ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria est en partie causé par les actions que Obasanjo a posées. En 2007, tout le monde savait que son successeur était malade. Il a tout fait pour le soutenir. Et après quelques jours de mandat, quelques années, 3 ans de mandat, il est décédé. Et depuis l'arrivée des chrétiens au pouvoir, ça crée une frustration au nord.
Parce qu'au Nigeria, la convention était claire. Vous avez un président du Nord, la vice-présidence assurée par le Sud. C'est comme ça, l'alternance a toujours marché au Nigeria. Et du fait que lui, il est tripatué, il ait soutenu quelqu'un du Nord, sachant bien que le monsieur allait mourir dans les jours à venir, a propulsé les sudistes au pouvoir. Et depuis qu'Obasanjo a quitté, il n'y a que les sudistes qui ont le monopole du pouvoir. Et c'est ce qui crée aujourd'hui la frustration au Nord. Et c'est pour cela qu'on se pose toujours la question, mais comment Boko Haram parvient à s'armer? Pourquoi Boko Haram a toujours des armes lourdes? C'est parce que non seulement Boko Haram est soutenu au sein même de l'armée nigériane, mais aussi la population a cette tradition en tête. Se dit toujours, depuis combien de décennies nous sommes gouvernés par le Sud, par les chrétiens? Voilà. Jemal, est-ce que c'est le rôle d'un ancien chef de l'État de participer à la médiation des crises politiques dans son pays, peut-être même au niveau régional? Ça n'est pas son rôle, mais il peut le faire. Il peut le faire si on l'appelle, il peut le faire si le terrain le permet, et puis s'il a des choses à apporter. Moi, je suis plutôt d'accord avec M. Touré. C'est l'analyse qu'il fait sur le président Obasanjo. Moi, je suis aussi assez dubitatif sur le rôle qu'il a joué dans l'arrivée au pouvoir d'Omaru Yaradua. C'est, de mon point de vue, la plus grande faute. Tout le monde savait que Yaradua n'était pas au niveau. Tout le monde savait que Yaradua avait une difficulté réelle à se maintenir au pouvoir parce qu'il était malade. Et tout le monde savait que la conséquence de la mort de Yaradua aurait pu créer une situation évidemment difficile. Vous êtes un peu plus sévère avec lui sur Boko Haram. C'est-à-dire que sur Boko Haram, on est en 2007, on n'était pas capable d'anticiper, Boko Haram n'avait pas la position qu'il y avait actuelle, et d'ailleurs même Hakimi au Sahel n'avait pas la position qu'elle avait. Et donc, les débats qu'on a aujourd'hui sur l'islamisme religieux, du moins politique, dans cette région n'existaient pas. Et donc vous êtes un peu sévère avec lui. Pour le reste, il n'est pas que ça. Il est aussi un homme d'État qui a quitté le pouvoir alors que personne ne lui a demandé. Il est revenu dans des conditions plutôt correctes en 1999, alors que le pays venait de vivre une dictature absolument atroce de Sani Abacha. Son rôle pendant les deux mandats qu'il a fait était plutôt bon. Et donc globalement, il n'a pas été tellement mauvais. Et quand il a quitté le pouvoir, il a continué, la famille, vous avez raison, il a continué un rôle de médiateur, un rôle plutôt de paroles sages, et puis il a une fondation qui fonctionne assez bien, il a un apport à la démocratie qui est réel. C'est la vie politique nigériane, même après avoir quitté le pouvoir, son rôle est effectivement plus controversé. Et donc de ce point de vue-là, je pense comme monsieur, qu'évidemment il a un rôle qui a été plus discutable, qu'il continue d'ailleurs à être un peu plus discutable. La cassure que vous faites entre le Nord et le Sud est réelle, sauf que ce n'est pas lui qui l'a faite. Celui qui l'a faite, c'est plutôt Goodluck. C'est-à-dire que Jonathan Goodluck, l'actuel président, a suivi, après la succession de Omaru Yaradua. Yaradua, après sa mort, donc il y a une règle non écrite, non constitutionnelle, qui dit un président du Nord, un président du Sud, un président musulman, un président chrétien. Et donc, c'est lui qui l'a plutôt interrompu, c'est Jonathan Goodluck, et pas du tout. Elle crée évidemment une frustration chez les populations. Il dit non, mais vous avez raison. Mais vous êtes un peu sévère avec lui à lui faire porter tout cela, parce qu'en définitive, même si pendant les dernières années où il était au pouvoir, il n'a pas joué un rôle fondamental. Mais on parle de lui, il est de ce point de vue-là, dans les pas de beaucoup d'autres grands chefs d'État africains qui ont quitté le pouvoir après lui dans sa deuxième présidence, pas la première, et qui ont été pour le coup assez exemplaires. Je peux parler là de John Deere Rawlings, pour lequel j'ai personnellement une grande admiration. Exactement. Le président Thabo Mbeki, dont le rôle est absolument positif, qui a fait deux mandats, il n'a même pas fallu terminer le deuxième, et dont le rôle est positif. C'est-à-dire qu'il y a une controverse dans ce que le président donc Olusegun Obasanjo a fait sur le continent. La controverse est beaucoup plus forte quand on parle du Nigeria, mais globalement, vous êtes un peu sévère avec lui, M. Touré, je pense que son rôle est somme toute assez positif sur la scène africaine. Est-ce qu'un rôle controversé empêche pour autant d'assurer des missions de médiation? Ça, c'est un peu compliqué. Parce que quand vous jouez à la médiation, vous allez devant les protagonistes. Et la phrase qui va beaucoup vous gêner, c'est quand on vous reproche vous-même, mais attends, quand vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? Ça vous met dans une position très, très perplexe. Il y a aussi l'expérience du pouvoir. Oui, il y a l'expérience du pouvoir. On parle souvent de Olusegun Obasanjo, mais Baba Jida a été aussi un modèle. Moi, je me rappelle quand Baba Jida est allé en Guinée dans la résolution de la crise que le pays a connue en 2007, il a dit au président guinéen, il dit, vous êtes militaire, je suis militaire. Nous, les militaires, nous savons très bien comment les choses fonctionnent.
je te parle en tant que militaire, accepte. Alpha, le président Conté n'a rien. Il a fait entièrement confiance parce qu'il connaissait la personne, il sait ce que la personne a fait et il sait ce que la personne a posé. C'est comme si vous disiez aujourd'hui que demain on peut retrouver le président Compaoré dans, à la tête d'une médiation africaine. Je salue très bien ses actions humanitaires, ses fondations, c'est très bien. Mais aujourd'hui, il est engagé sur la crise de la RDC. Quel est le résultat? Il faut faire beaucoup attention avec ses interlocuteurs. Quand vous allez donner des leçons à quelqu'un et qu'il vous ramène à vos propres bilans, ça devient compliqué. Jean-Marie? Moi, je voudrais revenir sur une chose sur ce plateau. C'est-à-dire, bon, on a un sujet qui est un débat, si vous voulez, qui est placé sur une perspective particulière. Bon, maintenant, qu'on se lance, comment on dirait, sur la manière de savoir quelle a été la moralité de tel ou tel président de la République quand il était en place. Déjà, je suis du mal dessus ce qu'il est en train de dire. Je ne pense pas que Obasanjo ait été responsable de ce que vous êtes en train de décrire. Et en plus, vous partez sur un terrain qui nous sort, comment dirais-je, du principe légal constitutionnel. Vous me dites que oui, aujourd'hui, c'est un accord tacite qui avait entre le Nord et le Sud pour qui est tel ou tel ou tel président. Moi, ce n'est pas une donnée que je peux prendre en compte dans l'analyse qui nous intéresse. Tout simplement, pourquoi? Parce que ce n'est pas un article constitutionnel qui sacralise le fait qu'il y ait quelqu'un du Nord ou quelqu'un du Sud qui puisse... C'est une coutume acceptée, mais cette coutume-là, si vous voulez, la coutume, dans ces conditions-là, revenons alors en arrière, j'ai mal, faisons fonctionner tous nos États africains sur la coutume. La coutume est une source de droit. Oui, je suis d'accord avec toi, Jamal, que c'est une source de droit, sauf que là, dans le cas qui nous intéresse, il y a aujourd'hui. Le pouvoir s'exerce à travers quoi? À travers les articles d'une constitution qui fixe les modalités de fonctionnement. Mais la question, Jean-Marie, n'est pas là. Oui. Moi, je suis bien, M. Touré, sur l'idée de dire que le président Obasanjo n'est pas ce qu'on voudrait bien dire de lui, et qu'il y a des point noir dans son parcours, et singulièrement au Nigeria. C'est-à-dire l'idée de dire qu'en 2007, il a fait une transition, il a laissé après lui une situation chaotique, dont on connaît malheureusement la situation à la fois sur les morts, mais aussi sur le président qui l'a laissé après lui. Ça, je le suis absolument. Je le suis moins sur Boko Haram. Mais là où je le suis encore moins, c'est sur le parcours global du président Obasanjo. Tout le monde au Nigeria, d'ailleurs tout le monde en général, n'a pas l'aura, la personnalité et la stature qu'a laissé Obasanjo comme marque politique sur le continent africain. C'est-à-dire que le président Obasanjo, en quittant le pouvoir la première fois, a laissé derrière lui une empreinte réelle. Quand il est revenu, et pendant les deux mandats qu'il a été au pouvoir, le Nigeria qui a vécu, il ne faut pas oublier l'histoire de Sani Abacha, n'a pas laissé après lui non plus une situation détestable, et les deux mandats qu'il a fait n'étaient pas tellement mauvais. Les choses se sont passées plus tard, et à la limite, sa passivité, et probablement même, dirait quelqu'un, son rôle néfaste qu'il a joué sous la présidence de Goodluck, sont des choses qu'on lui reproche évidemment. C'est-à-dire qu'il y a une différence singulière, réelle, importante, entre l'importance du président Obasanjo sur le continent africain et le rôle qu'il joue au Nigeria. Et les bémols, à mon avis, il faut le mettre là. Touré Mangali, rapidement, justement, comment expliquer cette aura, malgré tout son parcours controversé? Oui, mais il vient de le dire... On était dans les années 70, fin 70, voir un militaire abandonner le pouvoir n'était pas chose facile, non seulement. Et c'était très mal perçu au niveau des autres chefs d'État africains, parce qu'il existe une solidarité énorme entre les chefs d'État. Donc il l'a fait, et c'était vraiment un acte fort à l'époque. Revenir, faire la prison, c'est déjà beaucoup. Accepter de reprendre la reine du pays, faire deux mandats et... Vous savez, le Nigeria, c'est comme je voulais le rappeler, le Nigeria est un pays très spécial. C'est comme la RDC. Tous les pays sont spéciaux. Non, tous. Alors, rapidement, Monsieur Mangani. Le Nigeria est particulier parce que vous avez un pays, vous avez le Nord et le Sud qui sont diamétralement différents. Donc ça fait que bon, malheureusement nos frontières. Je vous dirais de la même chose de mon pays, le Cameroun. C'est qu'il y a réalité. Bah voilà. Donc, Laura, pour revenir à votre question, Laura de Obasanjo s'explique aussi par. C'est l'unanimité au sein de l'armée. Parce qu'on ne l'a pas dit depuis le débat, c'est que c'est lui qui a été à la base de la fin de la guerre de Biafra en 70. À l'époque, il était chef d'état-major de l'armée. Et vous imaginez, tout le monde sait ce que cette guerre-là a causé, non seulement au Nigeria, mais en Afrique. Donc, étant chef d'état-major, il a réussi à mettre fin à cette guerre. Ça a été.
ça explique toujours cette nostalgie. Merci, on va terminer là-dessus. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. En République démocratique du Congo, le Sénat a amendé ce vendredi le projet de loi électorale contesté à l'origine de nombreuses manifestations dans le pays. L'amendement indique que la tenue de la prochaine élection présidentielle n'est plus conditionnée à l'achèvement du recensement de la population. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a reconduit jusqu'à janvier 2016 l'embargo sur les ventes d'armes à la République centrafricaine, une mesure qui va à l'encontre des souhaits de la présidente de transition Catherine Samba-Panza, qui demandait un allègement de cet embargo. Nous allons marquer une nouvelle pause dans un instant, la troisième partie de l'Africa News.